Après avoir visité l'usine Fondeco dans le département du Niari, le ministre d'État Isidore Mvouba, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, s'est rendu dans le département du Kwilu pour voir l'évolution des travaux de construction de la CIMAF Congo, une cimenterie située à Inda. Cette cimenterie pourra produire ses premiers sacs de ciment d'ici octobre voire novembre prochain, à en croire les techniciens. Diop Mbongo. Le 23 mars 2014 dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, procédait à la pose de la première pierre relative à la construction d'une nouvelle cimenterie à Inda dans le département du Kwilu, appelé CIMAF Congo. Quelques mois après, le ministre d'État Isidore Mvouba a effectué une visite sur ce site, totalement transformé pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il se dégage après la présentation faite par le directeur technique, chef du projet CIMAF Congo, que les travaux s'exécutent normalement, qu'il s'agisse de l'ingénierie, la fabrication et l'expédition de la construction. Et pour le directeur général de CIMAF Congo, la spécificité du ciment produit par CIMAF répond aux normes internationales. On espère d'ici octobre avoir finalisé l'ensemble du montage et démarrer les installations. Et puis éventuellement également en octobre, commencer la commercialisation. Je tiens toutefois à préciser deux choses concernant le ciment CIMAF. C'est le seul ciment qui est produit aux normes européennes aujourd'hui au Congo. C'est la norme CEM. Cette norme européenne impose une certaine formulation, impose un certain process pour que le client final ait le droit à la qualité qu'il a achetée. Et de son côté, le patron du département industriel, le ministre d'État Isidore Mvouba, n'est pas resté motus bouche cousue, mais bien au contraire. Je me rends compte, en réalité, un pari gagné. Puisque vous voyez vous-même autour de vous, l'ingénierie est à 100%, le génie civil à 80%, les équipements à 100%. Bon, on peut dire que d'ici novembre, au plus tard décembre, pour être pessimiste, sinon en novembre, le premier sac CIMAF sera mis sur le marché. Il est donc à noter que les premiers sacs de ciment interviendront entre octobre et novembre 2015, avec à la clé la création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects et le transfert de technologies.